que ce soit sur le plan qui concerne le créateur même, oui. ou alors, par rapport à l'idée du mariage, hein, oui. ou alors le mariage conçu, oui. selon le monde dans lequel nous sommes. Le mariage a une vocation principale que le Créateur lui a donnée, mm-hmm. la procréation, le mariage. Bon, mais avant de le définir, quand on voit le Messie, qui est vraiment le modèle type de l'homme selon le Créateur, construit par le Créateur, donc on voit bien que son Père devait lui donner une épouse, comme nous appelons souvent une femme. Mais avant d'arriver à un moment où son père lui donne une épouse, parce que c'est le père qui lui donne une épouse, il fallait d'abord que le Messie ou l'homme atteigne sa phase de maturité. Il devait grandir, je veux dire. Il devait grandir jusqu'à atteindre l'âge de maturité. Donc c'est pour ça qu'il nous est montré dans les Écritures, c'est une dimension très importante. Si l'enfant demeure dans l'état d'immaturité, donc embryonnaire, est-ce qu'il peut se marier? Tout le monde sait que non. Donc pour que l'enfant se marie, il faut qu'il grandisse, qu'il soit à un niveau où on estime qu'il est un être accompli. Pour le cas du Messie, il doit se développer dans l'identité de son père. Parce que c'est dans cette identité que la femme va se greffer. Parce que les deux doivent se rencontrer dans la même identité qui est celle du Créateur. Parce que pour qu'il soit capable de procréer l'espèce du Créateur, il faut que l'identité du Créateur soit leur point de rencontre, de croisement. Vous voyez ce que je veux dire, hein? C'est ça. Donc c'est pour ça qu'il fallait d'abord attendre que l'esprit dont l'enfant se développe, on dit il croissait, jusqu'à atteindre la maturité. Maturité, ça veut dire qu'il était porteur de toutes les caractéristiques renvoyant à l'identité de son père. Et à partir de ce moment, son père lui donne une épouse. Et au départ même, quand vous voyez bien, l'épouse est d'une nature contraire à l'époux. Voilà. Mais comme l'époux est mature, il a des ressources pour amener l'épouse à rentrer dans son identité. Et après vient la procréation. C'est ça l'élément important. Après vient la procréation. Voilà. Mais si cet enfant, comme je le disais, demeure dans, à ce stade d'embryon total, c'est-à-dire l'esprit humain, ben, on ne peut pas penser qu'il puisse être capable de se marier. Bon, maintenant, au niveau du monde qui nous entoure, dans le monde où nous nous trouvons, bon, c'est presque le même principe. Presque le même principe. Parce que dans presque tous les pays du monde, vous verrez qu'il y a un âge de majorité. Dans certains pays comme en France, je pense que l'âge de la majorité, c'est 18 ans, il me semble. 18 ans. Dans d'autres pays, c'est 20 ans, d'autres pays, 21 ans. C'est selon le pays. Bon, et donc, ça fait que on suppose qu'à 12 ans, par exemple, 13 ans, si tu vas prendre une jeune fille pour épouse, si tu as plus de son âge, par exemple, on va t'étarcer de pédophile. Parce que c'est une personne qui n'est pas considérée comme mature, c'est-à-dire que son identité n'est pas encore réellement construite. Elle n'a pas une personnalité réellement assumée. C'est ça, on parle de l'âge, la majorité, c'est ça. Donc il faut avoir une personnalité assumée, construite, où tu sais qui tu es, tu sais où tu vas. En quelque sorte, c'est comme si personne ne t'impose plus rien. De sorte comme ça. Alors, c'est une personne qui peut aller se marier. Voilà. Donc, maintenant, il arrive qu'il y a une personnalité qui se développe, que ce soit dans l'homme ou la femme. Une personnalité qui se développe sur la base de ce qu'il reçoit comme éducation. Donc, jusqu'à un certain niveau où il a une personnalité qui s'exprime. Donc, et c'est dans cette personnalité que les deux se croisent. Vous voyez bien, dans cette personnalité que ces deux se croisent. Maintenant, si cette personnalité n'est pas celle du Créateur, cette personnalité est bien celle d'un autre, c'est-à-dire de Satan. Donc les deux vont se croiser dans cette identité, mais ce qu'ils vont procréer, ça ne sera plus l'espèce du Créateur. Ça va être une autre espèce.
C'est pour ça que nous voyons le monde tel qu'il est, c'est-à-dire que c'est un monde qui a été fabriqué de toutes pièces par les humains eux-mêmes, mais selon l'identité dans laquelle ils se sont croisés, l'identité de Satan. Ça part de la personnalité qui s'est construite, dont les gens se sont retrouvés dedans pour se multiplier. Bon, si j'ai un enfant qui se marie, par rapport à ta question, si je ne perçois donc pas en réalité moi-même le fondement sur lequel les gens doivent se croiser, qui doit venir du Créateur, c'est-à-dire que l'identité du Créateur se construisant dans l'un et l'autre pour que les deux se croisent dedans. Il peut arriver peut-être que ce soit un qui porte cette identité en lui. Généralement, il faut que ce soit d'abord l'homme, c'est-à-dire le mâle, qu'il porte vraiment, qu'il soit à un niveau de maturité, de telle manière que quand il va chercher une épouse, que les deux puissent se rencontrer dans cette même identité. Vous verrez dans les Écritures, c'est pour ça que l'apôtre Paul mettait, par exemple, les Corinthiens en garde. Parce que sachant clairement qu'ils ne savaient pas encore qui ils étaient par rapport au Créateur, donc c'était difficile pour eux quand ils allaient se croiser avec une fille ou un garçon. Donc les dégâts sont tels que nous voyons aujourd'hui dans le monde. Donc c'est ça qui est vraiment très important. C'est-à-dire que ce n'est pas le fait que les gens se rencontrent ou se marient ou se croisent qui est un problème. Mais le problème c'est sur quel identité, à partir de quelle identité on se croise. Donc si nous ne nous croisons pas dans l'identité du Créateur, nous allons nous croiser dans une autre identité, donc nous allons fabriquer une autre espèce, nous allons participer à multiplier une autre espèce. Si vous voulez, c'est ça le problème. Et si je peux toucher les termes tels que quand tu dis le désir est que dans la rencontre qu'il y ait le bonheur, comme on dit, qui est le bonheur. Bon, donc, normalement, le bonheur, en fait, si on peut vraiment y accéder, quand on voit le Messie, lorsqu'il est rentré dans son identité, et que le Père lui donne une épouse qu'il arrive à amener dans son identité pour multiplier l'espèce de son Père, il n'y a pas de bonheur autre que cela. C'est-à-dire que c'est là, en ce moment, où vraiment on rentre dans le bonheur réel. C'est-à-dire que si deux personnes se croisent, par exemple, dans la lumière, et qu'au travers d'eux, la lumière peut s'étendre dans ce monde, je pense que leur bonheur, c'est de voir des personnes partir des ténèbres pour entrer dans la lumière. On rentre dans le bonheur. Bon. Hein? Oui, on rentre dans le bonheur, hein, sur le plan général. Donc ce sont ces choses, nous qui avons des enfants, on ne peut pas leur imposer notre manière de comprendre, parce que compréhension, c'est l'identité. Mais il y a cette responsabilité de donner ses repères. Ce que le Père nous donne de comprendre, de les communiquer. Si les enfants sont à un niveau où ils ne sont pas capables de comprendre, ben les événements vont les aider à comprendre certainement que les repères que vous avez reçus, peut-être du Créateur au travers des parents, c'est des repères que vous amenez à l'intelligence. Vous voyez ? Donc c'est ça. Donc la question du mariage, c'est une question extrêmement profonde, hein, complexe. Voilà. Voilà, c'est extrêmement profond et complexe. Parce que on n'a pas de mariage, on n'a pas de famille. Si on n'a pas de famille, on n'a pas d'État, de nation. Donc pour dire que c'est le mariage qui donne lieu à la famille. Donc la famille donne lieu à l'État. Donc en réalité, c'est pour ça que le mariage c'est un élément fondamental. Parce que c'est l'identité dans laquelle deux individus se croisent qui va se multiplier et qui devient l'État. Ce n'est pas autre chose. Oui. Ça me fait penser à quelque chose, quand l'apôtre Paul dit « Certains vous diront de ne pas vous marier ». Et quand on voit la complexité du sujet, on comprend que certaines personnes qui n'ont pas cette perception-là puissent obliger à d'autres de ne pas se marier. Parce que c'est. En fait, il y a question du vrai mariage ou du faux mariage. Et c'est chacun qui est en mesure de prendre conscience de ce que le Père lui donne de comprendre et puis d'agir en fonction, quoi. L'important, c'est d'avoir les bons repères. Mais je pense que le passage auquel tu fais allusion par rapport à l'apôtre Paul, peut-être que la. Il n'est pas très bien cité dans son contexte. Voilà.
très bien, non, parce que le passage, ça me vient bien dans l'esprit. C'est-à-dire là où il parlait de personnes, il dit que de même qu'il y a eu des faux prophètes, il y aura des faux docteurs, comme ça, comme ça. Donc qui auront, ayant, je paraphrase, un esprit rouillé, ils vous prescriront, ou alors vous prescriront de ne pas vous marier. Ou alors... Il parlait un langage spirituel pour les esprits. Voilà, donc quelque chose comme ça. Voilà. Il y avait des fausses doctrines qui commençaient à cesser dans la communauté. Exactement. Et ça venait justement de ces faux docteurs qui disaient, qui imposaient de ne pas se marier. Tout à fait. Et puis c'est ça qui s'est prolongé au niveau de... Bien, c'est presque le même esprit hein, qui s'est prolongé dans le catholicisme romain où on parlait d'un vœu de célibat, ainsi de suite. C'était beaucoup plus dans ce sens-là. Mais en réalité, quand nous comprenons au fur et à mesure, bien sûr, hein, de parler le discernement que le Créateur donne, la complexité de ce que c'est que le mariage, c'est quelque chose d'extrêmement complexe. Parce que si nous avons un monde, déjà à partir des familles, qui sont totalement caractérisées par l'instabilité, et puis cette instabilité qui devient nationale ou mondiale, tout est au niveau du type de personnalité dans laquelle les individus se sont croisés. Bon, cette personnalité qui se multiplie. Et donc, c'est pour ça, quand vous allez dans les Écritures, par exemple, c'est-à-dire que dans l'ancienne traduction, des traditions des anciens présentés comme ceux qui étaient vraiment porteurs de la vocation, vocation divine, vocation que le Créateur a pour l'homme, vous verrez que la rencontre entre un mâle et femelle avait des buts bien précis. Bien précis. Donc, ce qui veut dire que lorsque quelqu'un avait, par exemple, une femme, bon, ils ne dormaient même pas ensemble dans la même pièce. C'est lorsque le moment arrivait où il fallait procréer leur espèce, c'est-à-dire l'espèce du Créateur, parce que c'est des personnes qui étaient supposées être porteurs de la personnalité du Créateur et qu'ils étaient appelé à multiplier, à répandre sur la terre. Donc, quand ils allaient ensemble, c'était pour des raisons de procréation. Ils n'étaient pas dans la même... Ils ne dormaient pas dans la même pièce. Vous voyez bien, c'est-à-dire que la rencontre entre un homme et une femme n'avait pas un but de satisfaction biologique, comme on dit. On n'était pas dans une sexualité animale, végétale. Non. Il y a un objectif bien précis. Et moi, je dis très souvent dans les évangiles, vous voyez, parmi les moments où le Messie exulte de joie, c'est lorsqu'il voit que l'identité dont il est porteur, celle du Père, qu'il rend visible, il a donné à son épouse la possibilité d'y rentrer. Les Écritures disent, il leva les yeux au ciel, ému de compassion, il bénissa son père. Je te loue, Père, parce que les choses que tu as gardées, que tu as cachées aux intelligents, tu les as révélées aux enfants. Mais qui sont ces enfants? Mais c'est son épouse. C'est pas... Vous voyez bien ce que je veux dire? C'est-à-dire que sa jouissance vient du fait que l'épouse est élevée à son statut. Rentre dans son identité. C'est ça. Vous voyez, donc, ce n'est pas quelqu'un qui va tirer quelque chose de l'épouse qui va lui donner une satisfaction, mais il va donner à l'épouse ce qu'il est. C'est pas vous, vous voyez bien ce que... Voilà. Oui. Donc, c'est ça. Donc, il n'est pas dans un accouplement animal. Il est vraiment dans la démarche de donner à l'épouse ce qu'il est, pour élever l'épouse à la même identité, pour entrer dans la dimension de la productivité. Oui. Donc, c'est ça. Parce que le Créateur doit se multiplier. Mais comment il se multiplie? C'est ça qui est important de comprendre. De la même manière que Satan aussi se multiplie. Mais si tu enlèves à Satan la possibilité de
d'amener les humains à se croiser en lui, est-ce qu'il peut se multiplier? Non. Il ne peut pas se multiplier. Voilà. Le Créateur se multiplie, mais au travers du mâle et du femelle qui se croisent en lui, porteur de son identité. Il a déposé en eux le pouvoir de procréer son espèce. Donc c'est pour cette raison que les anciens allaient vers l'épouse. Donc quand le moment arrive, pour des besoins de procréation, il allait vers son épouse et après il revenait dans son environnement. Et vous connaissez bien cette histoire dans les écrits où une femme avait eu 7 maris. Et avec, je pense avec aucun, ils étaient de la même, c'était une fratrie. Voilà. Et avec aucun d'eux, il n'a pu avoir d'enfant. Et on a donné, c'était ça la coutume, on a donné cette femme à un descendant de la même famille. Et quand ce monsieur allait avec la femme, il allait se soulager en dehors de la femme. Et qu'est-ce qui lui était arrivé? Qu'est-ce qui lui était arrivé? Vous connaissez bien? Il a été ôté de son corps. Vous connaissez l'histoire, non? Il a été ôté de son corps. Mais pourquoi? Parce qu'il n'allait que pour des besoins de satisfaction de lui. Mais pourtant, c'est pour des besoins de procréation que vous devez. Mais procréer l'espèce du Créateur. En fait, tu parles de la partie dans Genèse avec c'est pas en fait, Jacob. Oh, non, en fait. C'est oui. Quoi, non oui. D'accord, c'est, okay. Oui, c'est de ça que je parle. D'accord, je peux pas aller dans l'évangile, passer les évangiles. Voilà, en fait, oui, oui. C'est, okay. Non, mais je suis dans le. Okay. Dans le début. Voilà. Donc, il allait avec la femme, c'était pour ce. Oui, dans la dimension totalement animale, totalement animale, voilà, totalement animale. C'est-à-dire que je vois une femme, c'est comme une alimentation, c'est comme je peux aller prendre un bon plat dans un restaurant 3 étoiles qui réveille mes sens, voilà, naturel. Voilà, vous voyez, c'est ça. Et puis il fut ôté de son corps. Donc tout ça, c'est pour nous instruire. Bon. Vous voyez bien, c'est pourquoi le Messie ne va pas prendre femme, une épouse, comme nous comprenons. C'est qu'il nous montre la vraie dimension réelle du mariage. Il nous révèle la vraie dimension du mariage. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça. Parce que c'est notre lien, l'esprit de l'homme avec le Messie, qui est favorable à procréer l'espèce du Créateur. Donc c'est ça. Donc c'est ça que, chère Anita, c'est ça qu'en fait, le Créateur est le fondement du mariage, c'est-à-dire le point fondamental sur lequel doivent se rencontrer deux esprits pour procréer son espèce. Le Créateur. Voilà. Et c'est aussi pour cette raison que, pour nous qui sommes en France, quand vous allez chez le maire se considère comme un intermédiaire entre deux individus et une conscience supérieure. Le maire, il se considère comme ça. Parce que le maire va vous dire toujours que... Est-ce que le maire vous dit que je vous unis à mon nom? Non. Je vous unis au nom de la loi. Mais la loi est représentée derrière, par Marianne. La loi, c'est une conscience dans laquelle vous vous croisez. Le maire se considère comme le prêtre, l'intermédiaire. Donc vous vous croisez dans cette conscience pour faire quoi? Pour multiplier. Donc vous aidez Marianne à se multiplier, cette conscience universelle à se multiplier. C'est aussi pour cette raison que lorsque nous nous croisons dans Marianne, Marianne qui a une représentation physique, l'État, nous considère comme sa propriété. Voilà. Et ce qui sort de nous, l'État le considère comme quoi? Comme votre propriété? Non, comme sa propriété. Oui, c'est ça. Donc, au final, puisque l'homme, l'esprit de l'homme réel, est resté dans l'embryon, il ne se développe pas par rapport au Créateur. C'est cette conscience qui est Marianne qui s'est développée dedans. Donc, c'est elle-même qui se croise avec elle-même. Elle exploite simplement les potentialités qui sont dans l'esprit pour se multiplier. Mâle, femelle, c'est pour les besoins de multiplication. Tu ne peux pas mettre mâle et mâle et voir la multiplication. C'est pas, vous voyez bien. Il faut mâle et femelle.
tu as toutes les conditions réunies pour que la force supérieure se multiplie au travers d'eux. Donc c'est ça la vocation du mariage. Vocation du mariage, ce n'est pas pour satisfaire la sexualité, non. Vocation du mariage, ce n'est pas pour se réaliser socialement, non. Quand on est dans cette dimension-là, on a une autre idée. La vocation du mariage, c'est pour procréer. L'espèce de créature. C'est donc pour cette raison que l'apôtre Paul disait aux Corinthiens que si ce n'était que moi, je vous conseillerais de rester comme je suis. Oui, ils ne pouvaient pas leur en dire plus. Parce que, sachant clairement que leur compréhension ne leur pouvait pas leur rendre capable de percevoir. Donc, moi, c'est ce qui fait souvent qu'on accuse Satan, mais pourtant, c'est nous-mêmes qui l'avons aidé à se procréer. Mais on l'accuse. Et c'est aussi pour ça qu'il est rappelé dans Genèse que, comme le mal, ce qu'on appelle, entre guillemets, le mal, c'est-à-dire la conscience, la mauvaise compréhension, cette conscience contraire à la conscience du royaume, elle a inondé le monde par un seul homme, de qui la femme a été tirée. Aussi, le bien, la justice, si vous voulez, aussi a inondé le monde par un seul. Donc c'est ça les questions de mariage. Donc ça fait que quand nous sommes en dehors de l'identité d'en haut, celle du Père, nous n'allons pas toujours vers la femme ou vers l'homme pour les mêmes raisons. On ne peut même pas y aller pour les mêmes raisons que c'est pourquoi le Père a voulu. C'est-à-dire on va pour d'autres raisons. Voilà, comme tu dis. Les raisons sont multiples. Mais si on appelle ça mariage, le Créateur, lui, n'appelle pas ça mariage. Ça fait simplement rire. Réfléchir. Oui, mais c'est ça, hein, la réalité de notre monde. C'est-à-dire que ce dont nous parlons là, les esprits avisés dans le fonctionnement du système, ils sont conscients de ça, ils le savent très bien. Voilà, ils le savent très bien. Donc, ça veut dire que tout le monde se plaint d'un monde violent, un monde, mais c'est nous qui l'avons fabriqué. Donc ça fait que si vous avez une espèce haute, j'ai dit humaine, haute dans le monde, vous allez avoir un autre monde. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Oui, si vous avez une espèce haute que ce que nous sommes dans le monde, vous allez avoir un autre monde. Hein? Une autre réalité, voilà. Un autre fonctionnement. Donc tout ça, il ne faut pas aller chercher ça loin. Ça part simplement de l'idée qu'on nous a donnée du mariage. Le fondement à partir duquel l'homme et la femme se sont croisés. L'identité, le type d'identité. Parce que c'est cette identité qui se multiplie. C'est-à-dire que si nous rentrons dans un monde tel que nous le voyons, hein, comme un espace géographique, où il n'y a que deux individus, donc mâle et femelle, un homme et une femme, comme on dit. Bon, ça veut dire qu'à partir de ces deux-là, vous allez avoir à terme des milliards d'individus. Mais ces milliards ne seront que l'expression plurielle de l'identité des deux premiers. Si c'est le Créateur, vous allez avoir le règne de Dieu. Si c'est dans Satan qu'il se croise, vous allez avoir le règne de Satan. C'est la véritable notion d'hérédité. C'est ça, véritable notion d'hérédité. C'est comme ça. Parce que vous allez voir que ces deux personnes, ce qui va sortir d'eux comme enfants, mais ça ne vient pas d'ailleurs. Ça se détache de leur personnalité. Donc cet enfant qui vient là, s'il est un, deux, il va falloir qu'il ait une identité. C'est-à-dire une manière de se comprendre et de comprendre qui va la leur donner. Mais ce sont les parents.
Donc ce que les parents sont, c'est ça qu'ils déposeront en cet enfant. Et si ce que les parents sont ne vient pas du Créateur, donc c'est la sphère dont les parents portent l'identité qui va commencer à se multiplier. Et à terme, vous avez un autre visage. Donc c'est donc l'identité qui se développe dans les humains, c'est ça qui donne, qui change la forme même de l'environnement géographique. C'est pas autre chose. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui a déformé le visage de Montchalon? S'il n'y avait aucun humain à Montchalon, il est sûr que Montchalon aurait demeuré... C'est ça. Pour ça même, la dernière fois, on parlait de la forme du monde. Oui, du monde. Elle est donnée par la conscience, donc les humains sont la forme visible. Voilà. C'est elle qui définit le type de relation que nous avons entre nous au quotidien. La personnalité que nous habite. C'est pour ça que les relations elles-mêmes sont instables en fonction du type de personnalité qui est. Mais vous verrez que si c'est la personnalité du Créateur en nous, vos relations vont de stabilité en stabilité. Donc tout ça, c'est le mariage. Donc quand on parle vraiment du mariage, nous parlons là de la racine même de la civilisation des nations. Donc c'est ça. Alors il y a des gens, il y a certains qui disent très souvent que, bon, quand on dit, je posais cette question à quelqu'un dernièrement, d'où sors-tu? D'où viens-tu? Et les gens vous diront toujours, c'est Dieu qui m'a créé. Ou alors, nous-mêmes, quand nous avons des enfants, je dis, Dieu m'a donné des enfants. Un enfant, c'est Dieu qui m'a donné un enfant. Hein? Mais regardez bien la nature de ce que Dieu donne. On dit bien dans les Écritures, Dieu a tant aimé le monde. Et il a donné au monde son Fils unique. C'est-à-dire, ce qui sort du Créateur ne peut pas être contraire à lui. Je sais pas, voyez ce que... Oui, ce qui sort du Créateur ne peut pas être contraire à lui. Donc maintenant, ce qui se passe, c'est que les enfants que nous avons, dans lesquels se développe une autre personnalité, mais sortent de nous, ils ne viennent pas du Créateur. Il nous a simplement doté du pouvoir de multiplier ce que nous sommes. Donc quand nous avons des enfants qui, à un moment donné, deviennent des monstres, comme nous, mais tu ne vas pas dire, Dieu, pourquoi tu m'as donné ce type d'enfant? Mais c'est nous-mêmes qui avons participé à les fabriquer. C'est ça. C'est qu'à un moment, on accuse le Créateur pour ce dont nous sommes responsables, nous. On dit, mais si Dieu était tout-puissant, vraiment, mais si Dieu était la force, mais pourquoi le monde est si méchant? Vous voyez bien? Mais il a donné aux humains le pouvoir de... Donc, et tout ça, c'est la racine, c'est le mariage. C'est pour ça que même l'État, vous verrez bien, on vous dit bien, c'est-à-dire, je veux dire, l'État séculier, hein. Donc le mariage, soit il est une institution divine, multipliant l'identité du Créateur, soit c'est une institution étatique, renvoyant à la conscience universelle pour multiplier l'espèce de Satan. Bon, l'État considère le mariage comme son institution. C'est une institution étatique. On dit le mariage, c'est la pépinière de l'État. Le mariage dans la famille, c'est la pépinière de l'État. Parce que dans ce sens-ci, que s'il n'y a pas de mariage, vous ne pouvez pas assurer la pérennité de l'État. Est-ce que c'est possible d'assurer la pérennité de l'État sans mariage? Non. Voilà. C'est pour ça que le peuple dit que c'est la plus belle chose. Le mariage pour pérenniser l'État. C'est ça. Bien sûr que parlant des nôtres, hein, quand il parle de Dieu, il ne parle pas du Créateur. Voyez donc, c'est ça. Et vous verrez, toute l'intelligence sociale est au service de la famille. Parce que la famille, c'est l'élément qui permet de pérenniser l'État. Moi, j'avais une question. Qu'on pense d'un État où le chef de l'État, c'est-à-dire le représentant de la nation, de la nation
n'est pas lui-même marié. Voilà. Mais ça, c'est parce que, en fait, et ça, si vous voulez, ça ne change absolument rien à la vocation de l'État. C'est-à-dire, ce qui serait très dangereux, c'est que comme le chef de l'État, par exemple, lui-même n'est pas marié, il interdise à tout le monde de se marier. C'est-à-dire, en ce moment, c'est la fin de l'État assuré, en douce. Parce que l'État ne pouvant plus se renouveler, vous voyez bien, bon, soit il faudrait que l'État ouvre ses frontières pour faire venir les immigrés, jusqu'à... Oui, mais bien sûr, mais ça fait partie hein, de la politique, la pérennisation de l'État. Oui. C'est comme ça. Mais d'ailleurs, on voit aussi que dans certains pays, quand le taux de natalité est très bas, eh ben on ouvre les portes pour que les immigrés puissent venir. Oui, c'est-à-dire ça fait partie. Si vous voulez, on dit bien, la population est vieillissante. Voilà. Donc, il faut pérenniser l'État d'une autre manière. Il y a plusieurs manières. Donc, il faut ouvrir les portes pour que des consciences rentrent. Pourvu que ces consciences ne soient pas d'une nature opposée à celle de l'État lui-même. C'est la politique, mais aussi de la régulation. Voilà. Donc c'est comme ça. Donc c'est comme ça que ça se passe. Ouais. Mais c'est aussi sous ce gouvernement-là qu'ils ont fait le mariage pour tous. Hein. Voilà. C'est-à-dire que tout peut se croiser. C'est ça. Donc, dans la structure, si vous voulez, de l'État, la famille est plus importante que l'État lui-même. Hein. La famille, elle est plus importante que l'État lui-même. Parce que si tu n'as pas de famille, tu n'as pas d'État. Donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est le fondement élémentaire de la société. Le fondement élémentaire. Voilà. Mais quand on dit la famille, c'est une personne morale. C'est un esprit. Maintenant, si cet esprit... Lorsque vous allez voir son identité, sa construction, sa structure identitaire, si ce n'est pas le créateur, c'est bien un autre. Et c'est cet esprit-là qui va se multiplier. Là, je comprends maintenant, dans les années 80, on donnait à chaque femme qui mettait au monde 10 000 francs. C'est là, ça. Et il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de dessins. Tout à fait. Parce qu'on nous donnait 10 000 francs hein, pour c'est avoir ça. Un enfant, un troisième enfant. Mais c'était même à partir de troisième enfant. Et on te donne 10 000 francs. C'est comme ça. Et je connais beaucoup autour de moi qui ont fait des enfants. Hein, tout à fait. Et même, si vous voulez, cette politique, elle existe. Mais même jusqu'aujourd'hui en France, on favorise les familles nombreuses. Voilà, familles nombreuses. Et c'est tout. C'est pour encourager les gens à multiplier les produits qui font la pérennité de l'État. C'est pour ça que la politique familiale, elle est d'autant plus portée pour justement pour les familles. D'autres en ont beaucoup en réduit dans d'autres pays. Mais dans tous les cas, vous savez, ce sont des énergies. Hein. Si vous n'avez pas suffisamment de, entre guillemets, de vision, d'intelligence ou de force pour pouvoir les canaliser, ça devient des forces des ordres. Dit que, comme on peut entendre hein, ce que je veux dire. Donc ça veut dire que lorsque vous prenez l'exemple d'une région du monde, comme l'Afrique, où vous avez un milliard d'énergies, ce sont des énergies, donc qui sont dépendantes d'une centrale d'énergie. Parce que dans tous les cas, toutes les personnalités qui sont, le type de personnalité qui est construit dans les 1 milliard d'individus a la même source. Donc, ce sont des énergies par définition instables. Il faut donc qu'il y ait des forces supérieures à cet océan d'énergie pour pouvoir les canaliser. Autrement, ça devient autre chose. Autrement, ça devient autre chose. Oui. L'anarchie, mais l'anarchie au sens... parce que si vous voulez, il y a un désordre qui est qui peut être domestiqué, contrôlé, et qui ressemble à l'ordre. Mais il y a un désordre qui, lorsqu'il n'est pas contrôlé et domestiqué, il devient ambiant. Il devient... voilà.